Bonjour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le lundi 12 août 2024. On poursuit notre vadrouille dans le Périgord vert et on vient de quitter Angoisse et l'aire de camping-car, le domaine de modèle. Si vous avez raté la vidéo sur ce lieu, je vous remets le lien juste en dessous de cette vidéo dans la description. Je voulais également vous rappeler que toutes mes vidéos bénéficient du chapitrage, c'est-à-dire que vous retrouvez en dessous des vidéos les chapitres avec tous les sujets que j'aborde. Vous pouvez de cette façon regarder tout ou que les parties qui vous intéressent. Donc, cette fois, on roule pour nous diriger sur une aire communale. Si vous nous suivez régulièrement, vous savez qu'en France, ce n'est pas vraiment ce qui nous plaît le plus comme endroit pour s'arrêter. Mais cette fois, pas trop le choix, car on souhaite aller visiter le village de Saint-Jean-de-Caule. Et le seul endroit à peu près sympathique pour s'arrêter, c'est l'aire de camping-car de Saint-Martin de Fressangeat. L'aire de camping-car est située derrière la mairie et derrière l'église. Il y a une partie réservée au camping-car et une autre qui est le parking voiture de la mairie. À notre arrivée, il n'y a personne. Juste une tente d'événements. Après renseignements pris, il est prévu un tournoi de pétanque pour le 15 août. Alors pas de souci pour nous car nous serons repartis. L'aire est assez grande même pour les longs véhicules comme le nôtre. Au sol, c'est du gravillon. Il n'y a pas de délimitation d'emplacement. Alors le risque, c'est d'avoir un adepte du passe-moi le sel qui s'installe juste à côté de vous. Entre l'aire de camping-car et le parking voiture de la mairie, au milieu de cette rue se trouvent les toilettes publiques. L'intérieur est neuf et vraiment très propre. Au niveau du parking voiture, on a également un terrain de pétanque. Alors, avis aux amateurs pour une partie en fin de journée. L'aire est située juste derrière l'église et en bordure d'un espace vert où l'on trouve table de pique-nique. Je dois dire que c'est très agréable, surtout quand il fait chaud comme en ce moment. La vidange est très facile d'accès, même pour nous. La borne pour l'eau et l'électricité fonctionne avec des jetons à prendre à la mairie ou dans les restaurants et la boulangerie du village. Je vous mets ici l'adresse et les coordonnées GPS.
ainsi que les tarifs, sachant que le stationnement est gratuit. Alors bien sûr, on va aller faire une balade dans ce village. Ce dernier a été habité très tôt, a priori dès la préhistoire, grâce aux traces et aux vestiges laissés par ses occupants. L'église daterait du XIIe siècle. Elle a été restaurée au XVIIe puis au XXe siècle. Lors de cette dernière tranche de travaux, des squelettes ont été découverts sous les galets du porche, qui est soutenu par deux colonnes de l'abbaye cistercienne de Pérouse, disparue elle aussi. En sortant de l'église, on passe devant la mairie, où vous trouverez un panneau d'affichage, avec les nombreuses randonnées à faire en partant d'ici, ainsi qu'une boîte aux lettres où à l'intérieur vous trouverez les plans de marche pour les randonnées. On continue et on arrive devant l'ancienne forge, devenue un local pour les associations, mais où d'ici, vous avez une vue assez spectaculaire lors de beau temps sur la campagne et le village en lui-même. On poursuit la traversée du village pour arriver devant la boulangerie artisanale, avec une fabrication 100% faite maison. On fait marche arrière pour cette fois passer devant les restaurants du village et on poursuit vers l'église et enfin l'aire de camping-car. J'avoue que c'est un bel endroit, très calme, avec une vue superbe surtout quand il fait beau. Demain, nous irons découvrir le village de Saint-Jean-de-Caule, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour ne rater aucune de nos publications. À très bientôt, bye bye !